écrit, télévisé à grand ligne. Pour gros déplacement ça que vous faites, un moment si difficile, un moment côté pays a traversé que personne ne pas pensé que Haïti est arrivé côté que nous hier. Et nous dit que nous nos transitions, tout le monde connaît l'ordre de transition. Et Jean étymologiquement, Jean le dit, c'est de une étape en l'autre étape. Mais transition ça n'a pas qu'à faire pour le soutenir plus mal ou l'empire. Donc nous avons dû une transition côté que ça qu'on a fait dans le temps que le peuple a été exprimé à bol contre lui. Donc je dis, c'est un autre bagaille. Eh bien, c'est dans la situation ça, c'est dans le contexte ça que Capissa m'a invité la presse qui s'est j'ai axoré la population pour nous venir parler ensemble avec eux. Mais nous avons dit que un gros coup de bobo, un gros coup de chapeau pour membre la presse qui l'a. Et Capissa m'a invité nous pour parler avec nous sur trois points. Premier point qui a un rapport avec déclaration fracassante, déclaration sans honte, déclaration irrespect que l'ambassadeur américain fait lorsque il dit que il admet, il accepte que il est dans une conversation constante avec monsieur qui a des armes nommées illégalement. Même point ça a tout. Libral parler de rentrée illégale, une série de mercenaires sur territoire national, là, sous l'ordre Gary Conny qui n'a pas de mission. Deuxième point, nous allons parler pour nous dire population, pour nous expliquer population, gros mésentente, problème qui gagne entre CPTA avec Primature. Là. Et dernier point, qui c'est le point phare, là, qui a un rapport avec la question de sécurité que le gouvernement, ça, l'État, ça, qui est compétent pour résoudre le problème d'insécurité que le peuple a traversé depuis très longtemps en dedans pays. Quant à la déclaration fracassante, sans honte, mensongère, il a traité de toutes sortes que l'ambassadeur américain fait. Quand elle dit que oui, l'IN en pour parler avec Gangyo. Eh bien, déclaration ça, vous seul leçon là-dedans. Son façon pour l'ambassadeur américain dit nous, si nous avons besoin de sécurité, relayez tout. Son façon pour le dire, oui, nous devons rentrer en pour parler avec tout le monde qui empêche nous de manière illégale de vivre en dedans pays nous. Eh bien, en dedans, après ça, nous avons posé cette question et nous avons dit, tout ambassadeur qui entre dans le pays, le plus gros rôle qu'il a gagné, c'est encourager, selon la Convention Vietnam, encourager bon rapport ou rapport bilatéral entre deux pays. Encourager relations politiques qui gagne entre deux pays et relations culturelles entre deux pays. Aucun ambassadeur n'a gagné mission à quoi pour venir fourrer bouche dans ce qui garde pays et aucun pays sous la terre. Si ça est capable de faire tout, nous connaissons parce que le gouvernement a failli avec la mission. Si ça est capable de faire tout, c'est parce que le peuple, la population, lorsque ça fait, il continue à garder, il continue à tolérer tout ça qui n'est pas bon en dedans pays. Et bien, c'est dans le même ordre de ça que Capissam, qui c'est collectif participatif à Comuntana, nous c'est une organisation avant-gardiste que nous là pour dénoncer tout ça qui fait de manière illégale sur le territoire ça que Papa Dessalines, Pétion Capois, Christophe et tout généraux te mouri, te bay vie pour nous te capable libérer. Et bien Capissam vient dire CPTA au regard de l'article 136 de la Constitution qui fait le CPT, le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions publiques, Capissam vient demander CPT à travers une conférence de presse pour que vous voyez ambassadeur américain côté de Tessotia et Capissam déclaré ambassadeur américain persona non grata. Nous tirons de la Capissam. Nous avons seul Haïti qui relève nous, chers maîtres, chers maîtresses, parce que nous avons ensemble de
généraux, ensemble de héros qui te bataillent au prix de leur sang, au prix de leur vie, pour que nous te cap indépendants. Et bien c'est ça que fait, nous disons de leur capissant. Nous pas d'accord sous aucune forme que petit blanc vient dans ce pays pour passer des ordres ou pour dire ce qu'il veut à l'intérieur de ce pays. Il y a des gens dignes, honnêtes, forts, qui n'ont pas peur d'énoncer et qui prêts pour continuer à faire tout ça qui dépend de eux pour payer ça. Il y a des gens tout bon qui a dirigé et qui prêts pour dire, quel que soit le monde et quel que soit l'horizon et qu'on sorti, pour nous dire non, halte là, que ou pas qu'a fait son vle, c'est peut-être ça nous demander et nous déclarer ambassadeur américain en Haïti, personnel. Et nous dit, nous pas un pays de rechange. Nous n'avons pas peur de nous dénoncer parce que nous avons besoin d'un pays pour nous aller visiter. Mais nous avons Haïti là avec nous pour nous continuer à goûter, pour nous continuer la bataille pour un jour les capables utiles petit pays. En ce qui a trait avec l'entrée illégale mercenaire que Gary Conny fait rentrer dans le pays. Nous disons que c'est inadmissible, c'est illégal, c'est intolérant. Et nous disons sous crime de l'ex-patrie que Gary Conny fait lorsque il est capable de recruter des mercenaires en absence de l'état-major de la police nationale, de l'état-major de l'armée d'Haïti, pour des mercenaires entrer et après que la population fin au courant, et même le quatrième pouvoir qui est la presse n'était pas au courant. La population n'était pas au courant. Et le CPT lui-même n'était pas au courant. Est-ce que nous sommes capables de tolérer ça en nos pays pour quel que soit l'un qui voulait, de comprendre que c'est notre petit boutique qu'elle y est et que le café salvé. Il y a un crime ça que Gary Conny fait. Lorsqu'elle y accepte de rentrer avec des mercenaires, et nous pas oublier, Jovenel Moïse mourit, yo dit c'est, yo ensemble de mercenaires qui entrent dans le pays, qui tuent, mêlés ensemble avec un paquet de conseils national. Je dis, est-ce que mercenaires, ça yo, Gary Conny pas de baron, l'autre mission, pour yon vine exécuter opposants politiques yo. Moi-même, camarade Kesnay, militant, KPSAM yo qui là, est-ce que Gary Conny pas déjà passé au l'ordre? Pour exécuter militants Kabe Samyo, dirigeants Kabe Samyo, c'est peut-être ça l'anti-CPTA. Et regarde l'article 136 de la Constitution, faisant du CPT le garant du bon fonctionnement des institutions publiques, nous demandons au CPT de prendre toutes les mesures nécessaires pour révoquer Gary Conny. Administratif, on dit l'autorité de nomination, c'est aussi l'autorité de révocation. Nous dit, le pouvoir exécutif est un pouvoir bicéphale. Il est composé de deux têtes, la primature et la présidence. Maintenant, lorsque vous gagnez Premier ministre qui l'a pour appliquer feuille de route gouvernement, mais qui de préférence. Qui a bataille pour créer conflit. Conflit ça dans l'intérêt d'instaurer un nouveau programme politique en faveur du régime PHTK. Sous aucun prétexte, sous aucune forme, KPSAM n'a pas accepté que Gary Conny continue à servir avec quatre ministères régaliens qu'elle te dit. Ministère ça nous va prendre pour bail parti politique pour pas instrumentaliser yo et bien ministère ça Gary Conny prend yo pour renforcer pour le bail moun qui capable accoucher et accomplir plan politique que le gagne contre pays et contre peuple là. C'est peut-être ça nous dit en dedans pouvoir exécutif là pas qu'à gagner mes ententes ipso facto moun qui t'est nommé ou là ou pas qu'à obéir
dès qu'on pas obéi avec des ordres qui manifestement illégal, ces conflits ont créé, et bien, KPSAM, mandé pour que CPTA révoque. Okay.